1 Samuel chapitre 29 et chapitre 30. 1 Samuel chapitre 29. Les Philistins rassemblèrent toutes leurs troupes à Aphek, et Israël campa près de la source de Jisréel. Les princes des Philistins s'avancèrent avec leurs centaines et leurs milliers. Et David et ses gens marchaient à l'arrière-garde avec Achish. Les princes des Philistins dirent: Que font ici ces Hébreux? Et Achish répondit au prince des Philistins: N'est-ce pas David, serviteur de Saül, roi d'Israël? Il y a longtemps qu'il est avec moi, et je n'ai pas trouvé la moindre chose à lui reprocher depuis son arrivée jusqu'à ce jour. Mais les princes des Philistins s'irritèrent contre Achish et lui dirent: Renvoie cet homme et qu'il retourne dans le lieu où tu l'as établi. Qu'il ne descende pas avec nous sur le champ de bataille, afin qu'il ne soit pas pour nous un ennemi pendant le combat. Et comment cet homme rentrerait-il en grâce auprès de son maître si ce n'est au moins des têtes de nos gens? N'est-ce pas ce David pour qui l'on chantait en dansant, Saül a frappé 5 000 et David 10 000? Achish appela David et lui dit: L'Éternel est vivant. Tu es un homme droit. Et j'aime à te voir aller et venir avec moi dans le camp, car je n'ai rien trouvé de mauvais en toi depuis ton arrivée auprès de moi jusqu'à ce jour. Mais tu ne plais pas au prince. Retourne donc et va-t'en en paix, pour ne rien faire de désagréable aux yeux des princes des Philistins. David dit à Achish: Mais qu'ai-je fait? Et qu'as-tu trouvé en ton serviteur depuis que je suis auprès de toi jusqu'à ce jour pour que je n'aille pas combattre les ennemis de mon seigneur le roi? Achish répondit à David: Je le sais. Car tu es agréable à mes yeux comme un ange de Dieu. Mais les princes des Philistins disent: Il ne montera point avec nous pour combattre. Ainsi, lève-toi de bon matin, toi et les serviteurs de ton maître qui sont venus avec toi. Levez-vous de bon matin et partez dès que vous verrez la lumière. David et ses gens se levèrent de bonne heure pour partir dès le matin et retourner dans le pays des Philistins. Et les Philistins montèrent à Jisréel. Samuel chapitre 30. Lorsque David arriva le troisième jour à Tsiklag, avec ses gens, les Amalécites avaient fait une invasion dans le midi et à Tsiklag, ils avaient détruit et brûlé Tsiklag. Après avoir fait prisonnier les femmes et tous ceux qui s'y trouvaient, petits et grands, ils n'avaient tué personne. Mais ils avaient tout emmené et s'étaient remis en route. David et ses gens arrivèrent à la ville. Et voici, elle était brûlée. Et leurs femmes, leurs fils et leurs filles étaient emmenés captifs. Alors,
David et le peuple qui étaient avec lui élevèrent la voix et pleurèrent jusqu'à ce qu'ils n'eussent plus la force de pleurer. Les deux femmes de David avaient été emmenées, Ahinoam de Jizréel et Abigaïl de Carmel, femme de Nabal. David fut dans une grande angoisse, car le peuple parlait de les lapider, parce que tous avaient de l'amertume dans l'âme. Chacun, à cause de ses fils et de ses filles. Mais David reprit courage en s'appuyant sur l'Éternel, son Dieu. Il dit au sacrificateur Abiathar, fils d'Akimélec, apporte-moi donc l'éphod. Abiathar apporta l'éphod à David. Et David consulta l'Éternel en disant, poursuivrai-je cette troupe? L'atteindrai-je? L'Éternel lui répondit, poursuis, car tu atteindras et tu délivreras. David se mit en marche, lui et les 600 hommes qui étaient avec lui. Ils arrivèrent au torrent de Bézor, où s'arrêtèrent ceux qui restaient en arrière. David continua la poursuite avec 400 hommes. 200 hommes s'arrêtèrent, trop fatigués pour passer le torrent de Bézor. Ils trouvèrent dans les champs un homme égyptien qu'ils conduisirent auprès de David. Ils lui firent manger du pain et boire de l'eau. Et ils lui donnèrent un morceau d'une masse de figues sèches et deux masses de raisins secs. Après qu'il eut mangé, les forces lui revinrent, car il n'avait point pris de nourriture et point bu d'eau depuis 3 jours et 3 nuits. David lui dit, « À qui es-tu et d'où es-tu? » Il répondit, « Je suis un garçon égyptien au service d'un homme amalécite. Et voilà 3 jours que mon maître m'a abandonné parce que j'étais malade. Nous avons fait une invasion dans le midi des Kérétiens, sur les territoires de Juda et au midi de Caleb, et nous avons brûlé Tsiglag. » David lui dit, « Veux-tu me faire descendre vers cette troupe? » Et il répondit, « Jure-moi par le nom de Dieu que tu ne me tueras pas et que tu ne me livreras pas, mon maître, et je te ferai descendre vers cette troupe. » Il lui servit ainsi de guide, et voici, les Amalécites étaient répandus sur toute la contrée, mangeant, buvant et dansant à cause du grand butin qu'ils avaient enlevé du pays des Philistins et du pays de Juda. David les battit depuis l'aube du jour jusqu'au soir du lendemain. Et aucun ne n'échappa, excepté 400 jeunes hommes qui montèrent sur des chameaux et s'enfuirent. David sauva tout ce que les Amalécites avaient pris, et il délivra aussi ses deux femmes. Il ne leur manqua personne, ni petit, ni grand, ni fils, ni fille, ni aucune chose du butin, ni rien de ce qu'on leur avait enlevé. David ramena tout. David prit tout le menu et les gros bétails, et ceux qui conduisaient ce troupeau et marchaient à sa tête disaient, « C'est ici le butin de David. » David arriva auprès des 200 hommes qui avaient été trop fatigués pour le suivre et qu'on avait laissé au torrent de Bézor. Ils s'avancèrent à la rencontre de David et du peuple qui était avec lui. David s'approcha d'eux et leur demanda comment ils se trouvaient.
Tous les hommes méchants et vils parmi les gens qui étaient allés avec David prirent la parole et dirent, puisqu'ils ne sont pas venus avec nous ne leur donnerons rien du butin que nous avons sauvé. Sinon, à chacun sa femme et ses enfants, qu'il les emmène et s'en aille. Mais David dit, n'agissez pas ainsi, mes frères, au sujet de ce que l'Éternel nous a donné. Car il nous a gardés et il a livré entre nos mains la troupe qui était venue contre nous. Et qui vous écouterait dans cette affaire? La parole doit être la même pour celui qui est descendu sur le champ de bataille et pour celui qui est resté près des bagages. Ensemble, ils partageront. Il en fut ainsi dès ce jour et dans la suite. Et l'on a fait de cela jusqu'à ce jour une loi et une coutume en Israël. De retour à Siglag, David envoya une partie du butin aux anciens de Juda, à ses amis, en leur adressant ces paroles. Voici pour vous un présent sur le butin des ennemis de l'Éternel. Il fit ainsi des envois à ceux de Bethel, à ceux de Ramoth, de Midi, à ceux de Jatir, à ceux d'Aroer, à ceux de Sifmoth, à ceux de Rakal, à ceux des villes des Jérakmaélites, à ceux des villes des Kéniens, à ceux de Horma, à ceux de Kor-Hachan, à ceux d'Atak, à ceux d'Edoubon et dans tous les lieux que David et ses gens avaient parcourus. Parole du Seigneur. Amen. Amen. Today I'll be reading 1 Samuel chapter 29 and 30. Reject David. The entire Philistine army now mobilized at Ephek, and the Israelites camped at the spring in Jezreel. At the Philistines' ruler were leading out their troops in groups of hundreds and thousands. David and his men marched at the rear of King with King Achish. But the Philistine commanders demanded, "What are these Hebrews doing here?" And Achish told them, "This is David, the servant of King Saul of Israel. He's been with me for years, and I've never found a single fault in him from the day he arrived until today." But the Philistine commanders were angry. "Send him back to the town you've given him," they demanded. "He can't go into battle with us. What if he turns against us in the battle and becomes our adversary? Is there any better way for him to reconcile himself with his master than by handing our heads over to him? Isn't this the same David about whom the women of Israel sing in their dances? Saul has killed his thousands, and David killed 10,000s. So Achish finally summoned David and said to him, "I swear by the Lord that you have been a trustworthy ally. I think you should go with me into battle, for I've never found a single flaw in you from the day you arrived until today." But the other Philistine ruler
guards won't hear of it. Please don't be upset with them, but go back quietly. What have I done to deserve this treatment? David demanded. What have you ever found in your servant that I can't go and fight the enemies of my lord, the king? But Achish insisted, as far as I'm concerned, you're as perfect as an angel of God. But the Philistine commanders are afraid that to have you with them in battle. Now get up early in the morning and leave with your men as soon as it gets light. So David and his men headed back into the land of the Philistines while the Philistine army went on his road. Chapter 30. David destroys the Amalekites. 3 days later, when David and his men arrived home at their town of Ziklag, they found that the Amalekites had made a raid into the Negev and Ziklag. They had crushed Ziklag and burned it to the ground. They had carried off the women and children and everyone else, but without killing anyone. When David and his men saw the ruins and realized what had happened to their families, they wept until they could weep no more. David's two wives, Aphion from Jezreel and Abigail, the widow of Nabal from Carmel, were among those captured. David was now in great danger because all his men were very bitter about losing their sons and daughters, and they began to talk of stoning him. But David found strength in the Lord his God. Then he said to Abiathar the priest, "Bring me the ephod, the Abiathar body." Then David asked the Lord, "Should I chase after these vain breathers? Will I catch them?" And the Lord told him, "Yes, go after them. You will surely recover everything that was taken from you." So David and his 600 men set out, and they came to the brook Besor. But 200 of the men were too exhausted to cross the brook. So David continued to pursue the pursuit with 400 men. Along the way, they found an Egyptian man in the field and brought him to David. They gave him some bread to eat and water to drink. They also gave him part of a fig cake and two clusters of raisins, for he hadn't had anything to eat or drink for 3 days and nights. Before long, his strength returned. "To whom do you belong? Where do you come from?" David asked him. "I am an Egyptian, the slave of the Amalekite," he replied. "My master abandoned me 3 days ago because I was sick. We were on our way back from raiding the Karkites in the Negev in the territory of Judah, in the land of Caleb, and we had just burned Ziklag. Will you lead me to this band of raiders?" David asked. The young man replied, "If you take an oath in God's name that you will not kill me or give me back to my master, then I will guide you to them." So he led David to them, and they found the Amalekites spread out across the fields, eating and drinking and dancing with joy because of the vast amount of plunder they had taken from the Philistines and the land of Judah. David and his men rushed in among them and slaughtered them throughout that night. And the entire next day until evening, none of the Amalekites escaped except 400 young men who fled on camels. David got back everything the Amalekites had taken, and he rescued his two wives. Nothing was missing, small or great, son or daughter, nor anything else that had been taken. David brought back everything. He also recovered all the flocks and herds, and his men drove them ahead of the other livestock. "This plunder belongs to David," they said. Then David returned to the brook Besor and met up with the 200 men who had been left behind because they were too exhausted to go with him. They went out to meet David and his men, and David greeted them joyfully. But some evil troublemakers among David's men said, "They didn't go with us, so they can't have any of the plunder we discovered. Give them their wives and children and tell them to be gone." But David said, "No, my brothers, don't be selfish with what the Lord has given us. He has kept us safe and helped us defeat the band of raiders that attacked us. Who will listen when you talk like this? We share and share alike, those who go to battle and those guards who guard the equipment." From then, and David made this a decree and regulation of Israel, and it is still followed today. When he arrived at Ziklag, David sent part of the plunder to the elders of Judah, who were his friends. "Here is a present for you. Take it from the Lord's enemy," he said. The gifts were sent to the people of the following towns David had visited: Bethel, Ramath, Negev, Jatir, Zifmoth, Eshtemoa, Rechab, the town of the Jeremelites, the town of the Kenites, Harmah, Borshah,
Atash, Hebron, and all the other places David and his men had visited. The word of God for the people of God. Amen. Samuel chapitre 29. Moun Filisti yo semble tout soldat yo net la ville a fek. Moun Israël yo même te monte kan yo bosous ki nan fond Jizreyel la. 5 chef moun Filisti yo te pran devan. Yo tap mache yon de lot ak division la me yo. Yo te gen batayon 100 soldat ak regiment 1000 soldat. David tap mache deye net avec Messie Lio ensemble ak Akish. L'autre chef moun Filisti yo di kon sa. Sa ban moun Ebre sa yo a fe la? Akish repon yo. Se David, yon nan Messie ki tap servi ak Saïl, wa pep Israel la. Li gen kek tan depi li avem. Depi jou li te kite wa pep Israel la pou vin jwenn mwen. Mwen pa janm jwenn anyen pou m reproche l jouk jounen jodi a. Men, lot chef moun Filisti yo mouve sou Akish yo dil kon sa. Voyen nom sa ale, fel tounen nan la vil ou te bal pou li rete a. Pa kite lal goume avèk nou pou pandan batay la, li pa vire sou do nou. Sa ka bal yon bel okasyon pou l touye moun nou yo. Epi pou bien encore ak met li. Le fini, fok nou pa bliye, se David, oui, se pou li mesdames yo te fè chante sa, le ou tap danse ya, chante ya, te pati kon sa. Sa il descend 1000, David descend 10,000. Akish rele David li dil kon sa. Mwen pon senye ki vivan pou témoin, ou se yon nèg serye, ou toujou kembe parol ou avèm. C'est à tout plaisir pour m'ta toujours wè ou là avèm nan tout antre sortim nan batay la. Parce que depuis jour t'es vin joine moyen rive jodi a, mwen pa joine anyen ou fè ki mal. Mais ces chef yo pa fè ou confiance. Kon sa, tourne à la kayou ak ke pose. Et puis, pi ga ou janm fè anyen ki pa fè ou plaisir tande. David répond ni. Mais mette moi, qui ça me fait? Depuis premier jour, moi présenté la caillou pour me servir ou rive jodi a. Ou pas jamais joine en rien, moi fait qui mal. Pour qui ça ou pas vle moi vinn goumen bon côté ou mon roi, mette moi contre l'ennemi ou yo. À qui je répond David. Ou pas besoin di man rien. Pour moi, ou bon tant kou yon ange bon Dieu. Mais ça ou vle me fait l'autre chef yo di ou par poil avec nous dans bataille là kounye ya David demain matin ou pral lever bonnet ensemble avec tout messieurs qui te viré do bay Saïl metoua pour yo te vin avec ou boy sit la vin joindre moi kou ba jou kase na pati al fè route non kon sa vrai nan demain matin bonnet David levé ensemble ak tout messieurs yo pati yo tourné nan pays Filistia la même moun Filisti yo même prend chemin pour yo aller Jizreyel. Samuel chapitre 30. Deux jours après, David rive la ville Ziklag ensemble avec Messie Elio. Mon Amalek yo te getan envahi toute zone Negev dans pays Juda. Yo te attaqué la ville Ziklag tout. Te boule la ville la net.
Le fini, yo te pran tout fam ak tout res moun ki te la yo. Ti moun kou gran moun, yo te pati ak yo. Yo pa touye person, men yo te pran tout moun, yo pati ak yo al fè wout yo. Le David rive ak mesye yo, yo jwenn la vil la te boule net. Et puis madame yo, petit garçon yo ak petit fi yo pat la. Moun yo te pati ak yo tout. David ak mesye yo pou an rele. Yo kriye jouk yo pa kapab anko. Moun yo te pati ak de madame David yo tout. An Akinoam moun la vil Jizreyel ak Abigail madame de Fenabal moun la vil Kamel. David te nan gros tête chargé parce que messie yo te fâché en pile deske yo te pedi petit garçon yo ak petit fi yo. Yo te fè l'idée touye David ak kout roche, mais Seigneur ya bon Dieu li ya te bal kont kouray. David rele Abiata prèt la. Petit garçon Abimelek la li dil kon sa. Pote jile bon Dieu a ici ban mwen. Abiata pote jile bon Dieu a bay David. David pale ak Seigneur a li di li. Est-ce que c'est pour m'aller derrière bon moun sa yo? Est-ce que m'ap rapou sib yo? Seigneur a di li, ou met ale derrière yo? Ou a rapou sib yo et puis ou a sauver moun yo fè prisonnier yo. C'est kon sa. David parti avec 600 messieurs qui étaient avec yo. Lè ou rive nan ravine Bezoa, gen kek nan messieurs yo ki rete la. David même continue sou route la avec 400 moun. Lot descend yo te rete parce que yo te bouke en pile. Yo pat gen force pou yo te traverser dlo Bezoa. Messieurs qui étaient allé ak David yo joine yon moun peyi l'Egypte nan zone la. Yo menel bay David. Yo bali manje, yo bali bre. Yo bali yon moso gato fig France ak de grap raisin chèche. Le li fin manje, li reprenn fòs paske depi 3 jou, 3 nuit, li pat manje anyen, ni li pat jam bre dlo. David mandil, ki moun ki metou? Moun ki bò ou ye? Li reprenn, mwen se moun peyi l'Egypte, esclavion nan moun Amalek yo. Jodi a fè 3 jours depi met mwen kite mdeye paske mwen te malade. Nou te envahi zon Negev kote kretien yo rete. Kote keretien yo rete ya. Apre sa nou pase nan zon Negev ki nan peyi Jida ak zon Negev ki nan peyi Kaleb la. Le fini nou mete dife nan la vil Ziklag. Nan la vil Ziklag. David mandeli, est-ce que nous ka menen ou kote bon moun sa yo ye ya? Li répond li, si ou pran bon Dieu pou témoin pou promet mwen ou pa touyem ni ou pa plagem nan men met mwen yan, map menen ou kote yo ye ya. Li menen David kote moun Amalek yo ye ya. Moun Amalek yo te gaye tout patou. Ki sa ki tap manje, tap manje. Sa ki tap boue, tap boue. Yo ta fè fèt paske yo te piye an pil bagay kay moun Filisti yo ak kay moun peyi Jida yo. Nan demen gran matin, David atake yo. Li goumen ak yo jouk nan aswe. Person pa t'chapé. An wetan 400 jen gason ki monte kek chamo epi ki gen tan kouri ale. David sauve denye sa moun Amalek yo te pran nan peyi yo a. Li sauve de madame li yo tou. David menen tout petit fi ak tout petit garçon mesye li yo toune, ansanm ak tout bagay moun Amalek yo te pran nan peyi yo a, pat manke anyen. Le fini, li pran tout bon mouton ak bef yo tou. Mesye yo tap pousse bet yo devan, yo tap di. Men tout sa David pran pou li nan batay la. David tap toune, li rive bo 200 mesye, li te kite bo ravine Bezoa, paske yo te tro feb pou yo ale avèl.
Yo marché vin kontre David ansanm ak lòt mesye yo. David marché al jwenn yo, li di yo bel bonjour. Men parmi mesye yo ki te ale avèk David yo, te gen kek malveyan ak vorien ki tap di. Mesye sa yo pa tale avèk nou. Nou pa ba yo anyen nan sa nou pran. Nap anik remèt yo madam yo ak pitit yo pou yal fè wout yo. Men David di yo kon sa. Frèm yo, nou pa ka fè sa ak sa seigneur ban nou. Li pa kite anyen rive nou. Li lage ban moun ki te vin piye nou yo nan men nou. Person pa ka dako ak sa nap di la. Nou pral separe bay chak moun sa ki pou yo. Sa ki te rete deye nan kan ap resevwa menm kantite ak sa ki te desann al goumen. Se kon sa depi jou sa, David fè prinsip sa tounen yon lwa. Jodi ya, wap suiv menm prinsip sa toujou nan peyi Israyèl la. Le David tounen Ziklag, li pran nan bagay li te sezi nan men l'enmi li yo. Li voye bay 100,000 yo ki te chef nan peyi Juda. Li di yo kon sa, me kado mwen voye pou nou nan sa nou pran nan men l'enmi seye yo. Nan men l'enmi seye yo. Li voye bay moun la vil Betel, bay moun la vil Rama nan zon Negev la, bay moun la vil Yati, bay moun la vil Aoye, bay moun la vil Sifmot, ak moun la vil Eshte Moa, bay moun la vil Rakal, ak moun ki rete nan la vil Branch Fami, Jerak Meyel yo, ak nan la vil moun Kayen yo, bay moun la vil Oma, moun la vil Borachan, ak moun la vil Atak, bay moun la vil Ebron, bay moun ki tout patou kote David ak Mesiel yo te pase. Sa se parol bon Dieu pou pep bon Dieu. Amen. Jésus
Oh, 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 oh.